Il était environ 18h30. Les coureurs cyclistes étaient en train d'arriver sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. Ils devaient ensuite parcourir 8 fois. De l'avenue des Champs-Élysées à la place de la Concorde, en passant par la place Charles de Gaulle, le quai des Tuileries, l'avenue du Général Le Monnier, la place des Pyramides et la rue de Rivoli. Les amoureux du Tour de France sont venus très nombreux pour soutenir leurs coureurs cyclistes, mais aussi pour les admirer. Par procuration par l'Allemand Simon Geschke, qui est le deuxième. Comme prévu, cette 21e étape s'est terminée vers 19h30 et avec elle, la 109e édition du Tour de France. Les vainqueurs des différentes catégories sont successivement montés sur le podium pour être récompensés. Parmi eux, notamment Philippe Saint-Jasper, qui a remporté la prestigieuse étape des Champs-Élysées. Wout van Aert, qui a gagné le maillot vert. Jonas Vingegaard, lauréat du maillot à pois. Enfin, comme beaucoup s'y attendaient, le même Jonas Vingegaard qui a remporté le maillot jaune. À 25 ans, le Danois est le vainqueur du Tour de France pour la première fois de sa carrière. Eh bien, c'est une très grande course, hein. C'est une course internationale, la plus grande course du monde. Moi étant cycliste aussi, plus sur la piste, je suis athlète au niveau avec l'équipe de France sur la piste, donc voilà, le Tour de France, ça reste quand même une très très grande épreuve internationale. Et aujourd'hui, j'aimerais bien que Caleb Ewan gagne parce que il a quand même bien galéré pendant les 3 semaines. Et donc je pense que ça sera une belle récompense. Je m'intéresse aux courses de cyclisme parce que je suis moi-même compétiteur. J'ai été champion olympique à Tokyo avec Alexandre Lioveras. Et donc voilà, ça a été un peu toute ma vie. Je fais beaucoup de vélo, je m'entraîne tous les jours au vélo. Et donc à Tokyo, donc, on a gagné la médaille d'or. Et forcément, ça m'inspire. Et donc le Tour de France, je le suis parce que j'étais aussi professionnel avant sur la route. Donc je ne vais pas louper ça. On est venu parce qu'on a eu des places gratuites avec le travail de mes parents. Et voilà, j'ai un petit frère qui s'intéresse beaucoup au vélo et les Champs-Élysées, c'est quand même fabuleux. Donc voilà. Le Tour de France, c'est une des meilleures courses du monde. C'est plusieurs étapes, c'est des moments de partage. Oui, le Tour de France, c'est le plus bel événement sportif, je pense. J'aurais préféré qu'un Français gagne, mais non. C'est comme ça, il a été fort et il l'a mérité, donc voilà. Reportage par Mantara TV.